enchantement qui vient tout bouleverser jusque dans mes pensées. C'est comme un torrent qui coule en grondant. C'est comme un volcan, un cri de géant. Il n'y a qu'à toi que je puis dire tout ça. J'ai besoin de toi, je t'en prie, aide-moi. Dis-moi pourquoi, pourquoi je suis comme ça. Chaque année, je suis partie en vacances. Mais cette fois-ci, ce n'était pas en France. J'ai décidé pour une fois de sortir de nos frontières pour voir si ailleurs l'eau de mer était plus claire. J'ai traversé l'océan dans un avion, 12 heures de vol pour voir d'autres horizons. Enfin, j'arrive épuisée sur cette terre promise. Mais le douanier m'a dit: ouvrez votre valise. Il a sorti pêle-mêle mes baskets, mes raquettes, ma radio, mon polo, mes chemises, ma jupe grise, mes mouchoirs, mon foulard, mes photos, mes journaux, mes bouquins, mon bout de pain, mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Elle a bien mis ses baskets, ses raquettes, sa radio, son polo, ses chemises, sa jupe grise, ses mouchoirs, son foulard, ses photos, ses journaux, ses bouquins, son bout de pain, ses chaussettes rouges et jaunes à petits pois. J'avoue que j'ai failli éclater de rire, mais ce pauvre douanier poussait les soupirs. Vous imaginez qu'il allait avec aussi mes serviettes, mes lunettes, mes bonbons, mon savon, ma raquette, mes casquettes, mon stylo, mon vélo, mon collier, mes souliers, mes liquettes, ma palette, mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Quand viendra l'heure de repartir en France, mon gentil douanier m'aidera, c'est une chose promise, à tout remettre soigneusement dans ma valise. Il m'aidera à ranger mes baskets,